Salut la masse hystérique. Allez, une fois n'est pas coutume, je vais prendre 60 secondes de mon temps dans ma petite journée d'artisan. Parce que je vois à travers les réseaux, là ces jours-ci, plein de vidéos, des petites vidéos chacune dans leur coin, de gens qui expriment leur ras-le-bol. Là surtout face à l'étalage que les médias font du repas qui a été fait pour la venue de Charles III d'Angleterre. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de Charles III? C'est de plus en plus flagrant, on se bat tous les jours pour se nourrir, on se bat tous les jours pour mettre du carburant dans nos véhicules, pour aller bosser, pour élever nos enfants, pour s'en sortir. C'est de plus en plus dur, les fins de mois sont compliquées. Qu'est-ce qu'on attend pour bouger tous ensemble? Combien de temps ça va durer? La situation de la France devient absolument dramatique. Unissons-nous, descendons tous à Paname et allons foutre le bordel. Macron, tu nous fatigues. Vraiment, tu nous fatigues. Prendre la parole à la télé pour dire que tu vas donner une espèce de prime carburant de 100 euros maximum aux gens les plus démunis pour qu'ils partent travailler. C'est une blague. C'est une blague. Tu vas pas descendre le prix du carburant. Tu vas donner 100 euros aux gens les plus démunis. Les plus démunis, déjà, ils auraient besoin de pouvoir faire leurs courses moins cher. Parce que quelqu'un qui est au SMIC aujourd'hui et qui doit partir travailler, 100 euros, c'est quoi? Un plein pour l'année? Et tu crois qu'avec un plein pour l'année, il va pouvoir aller travailler tous les jours? Non, mais sincèrement, c'est pas du foutage de gueule. C'est pas du foutage de gueule. 100, mais maximum pour toute l'année, descend le prix de l'essence. Ça serait bien plus décent. Descend, justement. Descend, descend. Ouais. Que tu baisses le prix de l'essence. Les gens les plus démunis ont besoin de manger, tu vois. De manger, tout simplement. Parce que tu vas leur payer un ou deux pleins, grand maximum, et le reste de l'année, ils font quoi? Ils doivent choisir entre partir travailler ou manger, nourrir leur famille. Bonjour à tous. Voilà, c'est la première fois que je fais une vidéo, donc j'espère que vous serez indulgents envers moi. Voilà, je suis une mamie qui est retraitée et qui vit actuellement, comme beaucoup de millions de personnes, en dessous des 900 euros. Une fois que j'ai tout payé, il me reste 50 euros pour faire le mois. Je trouve inadmissible que la France, un pays qui était riche, commence à s'effondrer. Nous sommes gouvernés par un gouvernement qui s'en fout complètement des pauvres. Ce qui l'importe, c'est que les riches. Mais il faudrait que les riches partagent avec les pauvres. Parce que je pense que on pense que nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents, ils ont fait la guerre. Ils ont souffert. Et je pense que là, nous vivons quand même au XXIe siècle. Nous sommes en 2023. Que vont devenir nos enfants? Nos petits-enfants. Et telle est la question. Si nous ne faisons rien, si nous critiquons parce que ça augmente, l'alimentation augmente, l'EDF, tout. Non, ce n'est rien faire. Il faut que tous ensemble, on arrive à faire quelque chose pour soulever le pays. Je suis contre la violence. Je ne cherche pas une révolution. Mais comme nous ne pouvons pas avoir de discours avec le roi, plus ses ministres, je pense que, vu l'article, nous pouvons demander une destitution. Et je pense qu'il faut le faire. Sinon, on va dans une catastrophe. Je ne sais pas déjà si vous avez vu, mais comme on est haï par les autres pays, la France n'a jamais été comme ça. On a toujours eu des liens amicaux, et là, c'est en train de se dégrader. Voilà. Alors, c'est pour ça que je voudrais que vous fassiez. Moi, je fais une banderole. Je n'ai pas maison, donc je vais mettre ça sur mon balcon. Avec marqué destitution. C'est tout. J'aimerais que vous puissiez faire autant, mettre dans votre voiture un macaron, un autocollant, ou sur un t-shirt. Et puis, essayez de voir par la suite qu'est-ce qu'on va pouvoir bien faire. Parce que je vous dis franchement, on ne peut plus rester comme ça. Voilà, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, je vais annoncer à ma patronne que je démissionne.
Concrètement, j'adore mon boulot, hein, j'adore ma patronne, j'adore mes collègues. J'ai fait le choix de démissionner par rapport au coût du carburant. J'habite à 45 km de mon lieu de travail, donc je fais 90 km par jour. En moyenne, je fais un plein par semaine, ce qui me coûte 110 euros, donc 440 euros dans le mois. Sur un salaire de 1260, je trouve que ça fait énorme. Après à cela, on enlève l'entretien de la voiture, l'usure de la voiture, mon crédit auto, enfin bref, à la fin du mois, il me reste même pas 100 euros sur mon compte bancaire. Donc, fini les sorties, voilà. Je trouve ça honteux qu'en France, les gens soient obligés d'arrêter de bosser pour pouvoir vivre décemment, en fait, concrètement. Enfin, quand je dis décemment, c'est un bien grand mot, vu le coût de la vie. Mais c'est honteux qu'en France, on en arrive à ça, quoi. Donc, voilà. Donc, j'espère que je fais le bon choix. Et je verrai bien dans quelques temps comment ça se passe. Donc, pour moi, fini Fendi, bonjour Tati, quoi. Mais bon, on verra bien. Ah, vous vous rendez compte? Le litre de gazole est à 1,33 en Espagne. Je le sais de source sûre, hein. C'est sûr et certain. Vous pouvez vous renseigner, on est le 25 octobre. Renseignez-vous, le litre de gazole est à 1,33 en Espagne et 1,34 le cadre à 18 sans plomb. Mais en France, on ne peut pas baisser le carburant. L'autre, il nous fait croire qu'avec ses 764 milliards d'euros de dividendes, il veut nous faire croire à nous, petits gueux, petits Français à la con, qu'ils ne peuvent pas descendre, ça leur coûterait trop cher. Et c'est vraiment de notre gueule, hein. 60% de taxes et encore des... Je sais pas, mais... Oh, ils vont faire quand un truc pour les Français? Ils vont quand nous aider, nous? Plutôt que toujours aider les autres pays, puis faire des gaz et... Bah, des gaz, c'est quand on fait la fête, hein. C'est des gaz. Donc, quand on fait des fêtes, ça, bah, faire le monarque, à habiter le roi et tout ça, ça va. Mais nous, que de la merde. Que de la merde. Petit message, monsieur le président, vous avez parlé hier soir. Moi, je suis, comment vous dire, je suis un peu vert parce que c'est pas 100 euros qu'on vous demande. Non, non. Vous n'avez pas compris, ça ne nous intéresse pas. Moi, ce qui nous intéresse, c'est enlever vos taxes sur l'essence, enlevez-la. Et puis, on a appris aussi que vous alliez faire la misère aux agriculteurs sur le GNR. Donc là, waouh, je pense que là, vous allez être... Je sais pas, monsieur, mais à un moment, il y a un problème quand même. Il faut se rendre compte que les gens, aujourd'hui, ont de la difficulté pour manger, pour vivre. Parce qu'à chaque fois, on se dit, oh là là, faut que je mette ça de côté. Si je le mets de côté, si j'y arrive... Moi, ce que je vous demande, monsieur, c'est pas les 100 euros. 100 euros, faites le calcul, ça fait combien par semaine? Ben, ça fait très très peu. Alors, renvoyez votre copie et puis faites-nous signe. Et puis, sérieusement, mettez-vous à la hauteur des Français. Je pense que vous n'y êtes pas du tout, du tout. Voilà, merci de m'avoir écouté. Partagez la vidéo, parce que moi, ça m'exaspère. Merci à vous, bonne journée. C'est une truc de dingue. C'est une truc de dingue. J'ai reçu une lettre. La lettre que tout le monde a envie de recevoir, tu vois. Trésor public. Hein? Parce que c'est la période, on est tous en train de la recevoir, celle-là. Tu sais, celle qui fait plaisir. Tu l'ouvres. Dedans, tu ouvres, tu regardes. Taxe foncière. Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Qu'est-ce qui s'est passé en un an? Oh, les gars. C'est simple. Comme j'ai lu le chiffre. Quand je me suis mis comme ça, j'ai lu le chiffre. Des couches, je fais comme ça, tu vois, le caleçon. Ça commençait à suer des, tu vois. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Oh, 200 euros de plus? 200 euros de plus? Je vis dans une Détroit, les gars. Qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai pété un câble. C'est pas possible. C'est un cauchemar qu'on est en train de vivre. Depuis ce Covid, c'est un cauchemar, les gars. Les gars, on se lève le matin pour aller travailler. On a même plus envie d'aller travailler. Avec ce qui se passe dans ce monde, voilà, les gens, on est tous divisés. Chacun passe à sa porte. Voilà, vous pensez, vous courez derrière l'argent. Macron, il est en train de dépenser tout notre argent. Et regarde, on se lève le matin, on a envie de travailler, on n'a pas envie de travailler. Voilà. La vérité, on est dans un monde hypocrite, d'égoïste. Chacun pour soi et Dieu pour tous. C'est malheureux. Le jour qu'on sera tous ensemble, on changera beaucoup de choses, je pense. Mais ça, c'est dans un rêve. Je pense pas. On va tous se noiera comme cette eau. On va tous se noyer, les gars. Voilà. Les gars, levez-vous, allez travailler. Mais les personnes qui font rien, j'ai pas à vous plaindre.
ou chez le RSA, c'est mieux, je crois. Restez au RSA, les amis. Venez pas travailler, regardez. Travail, il se tue la santé. On n'est pas reconnu en tant que pays.